Salut tout le monde! Non, c'est l'intro de Maya ça. Mais quoi, c'est quoi ma nouvelle intro? Faudrait que je m'en trouve une. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content des retours de la dernière vidéo. J'ai eu que des bons retours, donc trop de vous partager, genre la suite. Aïe! Écorché vif. Je suis parti. Genre là dans ce vlog, vous allez voir des trucs sympas. On va acheter des plantes pour planter mon appart. On va changer ce papier vin. Et on dit ciao. Donc je vais vous montrer un peu les avancées. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec. Ouais, je suis parti chercher mon papier peint là en vélo. Je suis tombé, il pleut. J'ai glissé sur plusieurs mètres. Genre, la honte, je suis tombé. Et le premier réflexe, quand j'ai même pas avancé une seule fois, genre en mode est-ce que j'ai mal, je regarde autour de moi. Je fais qui m'a vu? Il y a 6 personnes autour de moi qui viennent m'aider en mode vous allez bien, monsieur? C'est dangereux et tout. J'avais tellement honte. La honte. Bon, c'est parti. On va chercher les plantes. Là, guys, on est en train de faire des petits achats de plantes. C'est citronnier pour la chambre, cuisine, petit salon. On commence doucement, mais sûrement. Pour les émissions. Ouais, très cutie pie. On aime cette couleur ou pas? La belle Emily, jolie, je voudrais partir avec vous. Guys, mon frère, parce que nous, on est avec mon frère, on voyait pas Peter. Peter, je chante dans le magasin, je m'en fous, genre. Emily, elle s'en fout, donc quelque part. Mais lui, là, on est parti se cacher, là. Ça, ça va être pour ma chambre. Ouais, il est beau, ouais. Vous allez voir la couleur de mon appart, c'est très DA. Moi, j'appelle ça le vert Gucci. Ouais. C'est tellement une couleur que je veux. Le citronnier, je suis trop content. And then... Là, la mission, ça va faire rentrer tout ça, là. Voilà, parfait. On a fini les plantes, guys. J'ai dead. Vous avez vu ma dernière vidéo? Vous voyez Varose là qui rangeait tout. C'est sa grande sœur, c'est la même famille. La famille Armen à l'armée. Faut lui donner un petit nom à ce citronnier. Cécile. Cécile. Ok, petite plante pour casser le mood. Alors celle-là on la fout. C'est là sur la cheminée, non? Ouais. Ok, donc là je vais vous expliquer un peu c'est quoi le mood et les projets qu'on veut faire. Donc je me suis muni de mon frère qui est derrière la caméra. C'est les premières idées, hein, c'est pas... Ouais, premières idées, mais pour que vous compreniez un peu le mood. Comme ça quand le house tour il va sortir, vous allez kiffer. Là déjà on veut garder le banc, on est d'accord? Oh ouais, là c'est un petit banc d'entrée. Je trouve que le banc qu'ils avaient mis c'est pas mal. Non, c'est bien. C'est super qu'ils l'ont offert. On va mettre une table rectangulaire en bois avec genre un côté avec des chaises et l'autre côté en banc, enfin vous comprendrez. Tu filmes un peu aussi là? Ah ouais. C'est mon fourre-tout ça. Là ça c'est ton truc de... Mais on réorganisera. Donc la salle, on va un peu garder déjà le mood de l'appart, genre c'est-à-dire que le canapé on va en remettre un mais pas lui, il est à la même place. On veut genre mettre un mood canapé en velours, on veut un peu que le mood ça soit genre clubbing. Club parisien, un peu feutré, velours. Là guys, j'ai commandé, vous êtes pas prêts. J'ai commandé un togo, genre une place olive, incroyable, ça va être le mood, genre je pense que ça va être, ça va être la place préférée de mes invités. Genre. Prochaine vidéo guys, un rangement de mon dressing parce que ça commence déjà, enfin ça va. Donc, tout est bien plié. Ouais, t'as tout envoyé sur le pressing, c'est bien. J'ai tout envoyé sur le pressing, mais ouais, on verra plus tard. Ouais. Ah oui, pour les rideaux, on va mettre des rideaux en lin blanc. Cuisine, c'est ma pièce que j'ai détestée. La lumière est horrible. Dans l'appartement, c'est froid, ça me donne pas du tout envie de cuisiner, j'ai envie de vite commander un Uber Eats. Mais du coup, on va mettre quoi? Des jolies petites tasses qui pendent. Ouais, en vrai, il y a un truc à faire, tu sais, petite cuisine un peu campagne, je sais pas, des belles tasses, des livres de cuisine. Sympa. Ok, bombe. Ici, bah là, en vrai, c'est la buanderie, hein. Y a rien à faire. Mais ça, genre, on mettra des petites serviettes. Ok, chambre. Le truc cool de cet appartement, c'est qu'il y a beaucoup de rangements. C'est ton appart ou c'est le mien? Dans les escaliers. Je pense qu'on va mettre des cadres. Je veux que ça soit un peu un mood, tu sais, dans les maisons de famille, des petits cadres. J'ai un peu la flemme, mais je vais absolument le mettre. C'est moi qui m'en fous et qui continue à parler. Ça, c'est une ex. Non, je rigole. C'est Jeanne qui me l'a offert, c'est incroyable. C'est un peu narcissique, je trouve, de le mettre, mais il est trop beau, donc je vais le mettre quelque part. Alors, la chambre, bah, le lit, on va rester. Regarde. Ouais, on peut pas mettre plus de lumière, on voit rien. Bah mets-toi là plus. Donc là on change le papier peint parce que franchement je peux faire un effort de le garder mais il est écœurant. Tu filmes Victor, je vois beaucoup que... Je sais que c'est ta femme mais... Il y a pas besoin de décorer ça hein. Non mais tu vas mettre... là tu peux mettre une petite plante. Là je pense que tu peux avoir une belle plante. Ok, bon bah on passe à l'action, on va faire les moods bord en bas. J'ai une malédiction énorme, j'ai encore tordu ma carte SD. Vous allez pas me croire, c'est chaud hein. Mais non, mais je suis pas un boulet, j'ai une malédiction. Genre, ils veulent pas que je fasse YouTube. Genre, là, je sais même pas s'ils vont voir cette vidéo un jour. Le chien qui mange ma carte SD, elle que je tords. Faisait un pas. Alors là, on a besoin d'acheter tapis, papier peint, rideau en lin, bananier. Il y a marqué combien de temps de livraison? 8 semaines. Donc, genre, dans mon canapé, il est magnifique, il arrive dans 2 mois. Là, on est en train de trouver des solutions. J'avoue qu'il y a cette couleur. Mais...
faire. C'est parti, bébé, on prend les hauts par mais avec ça, ça a été trop beau. Moi, je viens de te le poser. Hein. Vas-y, mais go, mais non. J'ai les accessoires et tout pour poser. Et surtout que tu sais que. Là, j'allais appeler un mec, moi. Non, non, il veut. C'est un peu plus fun si c'est avec toi. Mais c'est vrai. Mais surtout que. Mais ça, pour le coup, j'ai la raclette et tout pour faire le. Pour tout poser et tout. Ma vie. J'aime bien. Soit le léopard, soit ça. Moi, perso, léopard, je trouve que c'est très prise de risque. Ouais, en fait, le léopard, faut que j'assume de ouf. Ah oui, mais c'est drôle, justement. Tu voulais un truc où quand les gens viennent, waouh. Ok, je vous reprends. Là, il y a toutes mes sucettes qui viennent m'aider. J'ai trop hâte parce que, bah, t'as pas mal de boulot. Oh, ouh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite? Débrouille-toi. Ok, guys. Le moment fatidique, on n'aime pas. Ça va. Ok, petit update, je vous ai pas montré depuis longtemps. Dites-vous que je reçois mon canapé dans 2 mois. Donc là, on va garder le canapé initial, j'ai mis un petit drap blanc MDR. Mais regardez, j'ai reçu un bananier. Il est incre, il est trop beau. Je vous ai pas montré, regardez le Togo Mbem. Petit endroit vinyle, je pense que ça va être l'endroit préféré. Elle est belle, elle est pas belle comme toi. Ah non, mais elle est magnifique. Oui, elle est belle, en fait elle est mieux. Mais attends, elle est petite. Elle est belle. Ouais, par contre, parce que la tienne. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est ce site que tu m'as fait commander? Mais moi, elle est trop belle, la mienne. On dirait un animal. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est horrible. Mais elle est horrible. Tu vas la changer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est ignoble. Mais elle est horrible. Elle est horrible. Ah, je la rends. Hein. Je vais la renvoyer. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas en fait? Ah, tu te douches? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je me lave les cheveux. Moi qui pensais que tu m'aidais pour faire le ménage. Elle a fait exprès de mettre une wig dans le lit pour faire genre elle dormait. Pour échapper au ménage. Pour échapper au ménage. Bon, j'ai hâte qu'on change ses papiers, je sais pas comment on va faire, mais. Vous allez voir, il est trop beau. Bon, là ça commence à prendre forme, mais je suis un peu impatient quand même. J'adore se voir, et en plus là je suis trop content parce qu'il y a des maisons de déco qui m'ont répondu qu'ils vont me faire du gifting. Donc je suis trop content. On se refuse rien. Pour que vous compreniez un peu l'histoire, genre, gros, mon père, son meilleur ami, c'est leur père. Et ils ont décidé un dimanche de faire un barbecue. Nos deux familles se sont rencontrées il y a 10 ans. Genre, moi j'étais en CM2, toi t'as avec quel âge? Et du coup, genre, elles sont 3 sœurs et mon frère et moi, on est 2 frères. Et on avait tellement la flemme de se rencontrer, genre, on était en mode, mais flemme. Et finalement, c'est notre effet papillon. On a commencé à partir 3 fois par an en vacances ensemble. On partait en Corse, à l'île de Ré au ski, avec nos deux familles, et un coup de foot des deux familles. Et du coup, c'est devenu comme mes sœurs, genre. C'est même pas mes cousines, c'est mes sœurs. Émilie et mon grand frère se sont fricotés. Ça fait 10 ans et ils sont ensemble. Vous savez qu'au début, genre, Émilie et moi, on était super proches, mais genre très très proches. Elles sentaient pas encore, il est bizarre. Mais voilà, j'étais jaloux quand ils sont mis ensemble. Je comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez comme ça, en fait, on est 2 familles. De sont différents, mais on en fait qu'une, quoi. C'est un peu comme si ma soeur sortait avec son propre frère. Non, mais c'est une blague. Et t'apprends à faire tes courses, mec. Bah, quoi? Du riz Uncle Ben's, ça, des chips et genre une poire. C'est parce qu'elle fout là, genre. Ah, y'a une poire? Y'a une poire! Mais ça, c'est quand j'ai le repas de la flemme. Mais oui, mais jules, c'est que des trucs. Ça, c'est quand j'ai un petit movie. Ça, c'est chips, ça s'est bourré dessus. Non, mais bien évidemment, je fais des bonnes courses, mais je pars là. Je pars voilà au ski. La Biocop. Non, parce que je pars au ski 10 jours, du coup, ça sert à rien. Aujourd'hui, guys, il y a la meilleure amie de Emily qui vient, Lara, du coup, qui va poser le papier peint. Elle a fait ça chez elle, donc c'est pour ça qu'au lieu de payer un mec, elle m'a dit je le fais. On a commandé un papier peint, il est pépite. Voilà ses courses du mois, une poire. Elles sont excellentes. J'ai juste un truc à te dire. Quoi? Tu vois, le délire aussi de ton appart, c'est que à terme, il faudrait que ça soit un petit peu rangé. Je range quoi là pour le moment? On est en train d'emménager. Ah, oui, mais ça par exemple, je sais pas, tu peux trouver des endroits à changer l'argent. Ah ouais, ma Lara est arrivée. Madame papier peint. C'est la reine des papiers peints. Donc là, on est en train de se poser la question si on le met comme ça ou le temps. Tu mets comme ça. On se tape un petit délire, genre en mode, genre, quand on va voir mon dressing, il y aura une petite porte léopard. Mbem! Tu t'as fait un petit délire parce qu'au début on voulait faire ma chambre en léopard, mais j'ai pas assumé. J'ai dit non, je peux pas. C'est exceptionnel là. Surtout que le côté dressing, au final, le problème c'est que là je me dis, je vais en poser partout chez moi. Et le papier peint de la chambre, on l'a pas reçu donc je vais aller le chercher là. Je dois retourner à Leroy Merlin, je vais remetoller. Ah là là là! C'est sympa! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Guys, aujourd'hui ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Enfin vous, ça a duré quelques secondes, mais moi ça fait une semaine que je suis parti au ski. Je viens faire une affaire de malade. Bon, déjà faut que je vous annonce que un mec m'a fixé les rideaux, donc je suis trop content. Donc genre là je peux être coupé du monde extérieur. J'ai fait une affaire du siècle. En gros genre il me faut un tapis. C'est à dire que là, bah il est là. Et en gros genre ma belle-sœur, elle est passée devant une boutique où en gros le mec des tapis fermait ses boutiques. Du coup il faisait moins 70% sur ses tapis. Sauf que les vrais tapis ça coûte cher. Et de base je voulais un tapis un peu beige, un peu comme le canapé. Mon canapé il sera une sorte de velours marron. Là j'ai mis une couverture parce que c'est un canapé gris en dessous, il est trop moche. Mais en gros je voulais mettre un tapis genre bien cocooning, bien poilu pour que quand les gens ils se posent genre, ah là là on est bien par terre.
Mec, j'avoue, genre là je suis passé devant la boutique. Et là j'avoue, le mec a voulu me vendre son tapis. Magnifique, genre un tapis un peu grand-mère, un peu Normandie. Ça s'appelle un tapis turc, je crois. C'est un tapis quoi? Meurs, Perse. Un perse, un tapis perse. Et je voulais grave un genre de tapis. Et du coup, le mec me dit 4 000 euros. Je dis, mais der, il me fait, mais j'ai la réduc, je vous le fais à 2000. Non, mais je vais mettre 2000 euros dans un tapis. Enfin, je veux bien, mais pas maintenant. Plus tard, quand je serai adulte, j'aurai un château, je sais pas. Et du coup, j'appelle mon frère, je me dis, vas-y, en vrai, il va me donner son avis. Mais je lui dis pas que c'est là déjà. Et là, mon frère, il arrive dans la boutique. Trop beau le tapis, coup de cœur, il dit, je lui dis que le faux et tout. Le vendeur de tapis prend tout son sang. Des prix exorbitants, blablabla. Fait la chat, il essaie de nous manipuler. Et là, mon frère, il dit, ah non, ça va pas être possible. Je suis donné notre budget max, ça va être 450 euros pour un tapis. Le mec a dit ok pour 450 euros. Ah, j'ai vendu. Bon, j'espère que vous allez capter la vibe parce que c'est, il est trop beau le tapis. Genre vraiment, c'est pépite. On veut pas un appartement Ikea, on veut un appartement. Moi j'ai peur de vous le montrer parce que je sais pas que vous captez pas la vibe. Après, c'est chez moi, mais. Non, il est canon. Okay, ça rend trop bien. Oh, ça rajoute un truc de ouf, je suis désolé. Je vais mettre une petite table en bois. Oh, on a envie de se poser, genre. Oh là là. Tu vas bien, ouais, ça va. Non, je t'ai pas dit. Non mais Paola, j'ai raconté, j'étais à la fashion week la dernière fois. Tu vois, il est tellement beau, dites-vous de base, mais 4000 euros le tapis. 4000 euros, on a réussi à le négocier à 400 balles. Ça rend trop bien genre. Bon sinon là je vais fixer les rideaux, parce que je viens de les recevoir. Guys, il faut savoir un truc. Ma table, mon canapé, fin avril, dans un mois. Vous aurez pas un appartement de tour avant un mois et demi, genre. En fait, je suis trop impatient, genre. Je suis trop impatient. Ok, j'ai fixé les rideaux. Et là, j'ai reçu encore un tapis. Ça, c'est le tapis pour aller sous la table. J'ai commandé une table en bois tellement belle. Table un peu campagnarde. Hop, oh my god. Ouais, ok. Je vais mettre des chaises de ce côté et un banc là. Oh, les gens ils seront assis sur un banc là, il y aura des chaises. Si je préfère des bons petits dîners quoi. Des bons petits dinax. Pour ceux qui me demandent, moi je suis trop content guys de faire ça en temps management parce que je vois qu'ils sont là pour moi. Genre je suis trop content de faire ça en famille. Mon frère et ma belle-sœur ils mettent de ouf. Ma petite sœur Eva Rose elle met de ouf. J'emménage mais pas tout seul, genre on est tous ensemble. Genre vous avez vu mais ma famille sont beaucoup là. Donc genre je suis trop content parce qu'on fait bah c'est en famille quoi. Petit à petit ça prend forme. Doucement mais sûrement. Allô, je suis pourri gâté. Genre là, je suis un peu genre ému carrément. Parce que j'avais pas d'habitat avant, je recevais pas mes colis et tout. New Balance, genre je rêve depuis des années qu'ils me calculent parce que j'aime trop cette marque. Elles sont incroyables, je suis trop content. Louis Vuitton, ils m'ont envoyé des petits chocolats. Le Ralph Lauren, ils m'ont envoyé ce haut et cette veste qui est très sympa. Franchement, elle est très bien taillée et tout, c'est un petit bon burst quoi. J'ai essayé, je pensais qu'elle était trop petite, mais en fait ça va. Allô Lola, comme un garçon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, Vérissure qui vient de mettre des alarmes chez moi, je suis trop content parce que je vais me sentir comme il y a un étage et tout. Tu sais, parfois je suis là-haut, je sais pas ce qui se passe en bas. Donc là, Vérissure, ils vont mettre des alarmes à gauche, à droite. Je vais pouvoir être protégé, empire délavé. Ça va rien dire. Ce matin, je me fais un café. Genre, ma machine à café, elle est là. Et je prends mon café, je veux retourner là-haut. Et là, je me pousse comme ça dans l'œil. J'étais trop vénère. La lampe, elle me saoule. En plus, elle est trop lumineuse. Faut vite que je change l'ampoule. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai moins 50% si vous venez de ma part chez Vérissure. Du coup, si vous voulez moins 50% et installer des alarmes chez vous et tout, en plus, ils sont trop stylés, trop safe, bah, vous avez juste à me DM sur Insta. Et je vous donne le parrainage pour que vous ayez moins 50%. N'hésitez pas à me DM mon Insta et juste ici. Et vous savez, il y a qui vient me voir en ferry. Je suis trop content parce qu'elle me calcule pas depuis 3 semaines. Elle va à Los Angeles. Elle va au ski. Je sais pas où elle va. Maya Shippy, Maya désagréable. Ma. Proposer enfin qu'on se voit aujourd'hui, donc je suis trop content. Je crois qu'elle vient là-bas. Elle m'a dit soit je viens ce matin si je me réveille. Bon, là il est 10h30, pas de nouvelles. Ou elle passe en fin d'après-midi, donc j'ai trop hâte qu'elle arrive. Oh non, ma poupette! Mais c'est pour moi le bouquet? Bah oui, c'est vert, c'est orange, c'est un peu dans la DA. C'est Barney, est-ce que tu me calcules pas depuis 3 semaines? Ta gueule, n'importe quoi. C'est celui, il sort d'où ce togo vert incroyable? T'as vu, il est beau. Oh, putain, mais c'est le bordel, j'ai pas trop. Il sort d'où? Bah, je l'ai acheté. Mais où? Bah, togo.com. Il y a 6 mois d'attente, frère. Ah ouais, est-ce que tu voulais un togo toi aussi? Bah oui, du coup j'ai acheté vintage parce que genre ils te disent qu'il y a 7 mois d'attente et qu'en plus tu peux pas l'avoir. Ça doit être bouquet grognasse. C'est moi la Miss France. J'adore. Dis-toi, ça ça vire. Ouais. Ah mais c'est vrai que tu t'y connais, en avant tu vas pouvoir donner des titis. D'abord, tu vois, moi je suis au mètre carré. J'adore le tapis, j'adore le togo. Ouais, t'as bien le tapis, j'ai trop peur que les gens captent pas la vibe. Non, j'adore, c'est trop frais. C'est trop mignon. J'adore. Le sopalin, c'est pas ce que tu prends. Hein. C'est gênant. Je te jure que non. Parce que je passais un coup de poussière. Ah ça j'adore. Ouais, ça c'est un petit détail. Ah putain mais les pauvres on les calcule pas.
J'adore. T'aimes bien? Ça me plaît beaucoup. Vinny, moi c'était celui Yann qui me l'a offert et je vais mettre mon enceinte Marshall à côté. Ah oui, voilà. Et je peux connecter et je peux vraiment l'utiliser. Comment tu fais pour la Marshall? Bah en gros, il y a un câble derrière et tu branches derrière. C'est la même. Non, que je t'avais offert dans le swap. Oui, mais moi j'ai pas ça. J'ai juste pas ça. T'as pas ça? Non. Non, t'as rien du tout. Non, j'ai que ça. Passons à la suite de la visite, ok. Là, je vais mettre un petit porte-manteau. Là, j'ai mis une table marron de bois un peu Normandie. Ok, excellent. Le banc de l'ancien appart. Ça vaut la porte avec la vitre. Ouais, c'est bon. Oh, sympa, ok, ça, ça me plaît. C'est vrai que t'es une experte, hein. T'es un peu Valérie Damidoche, hein. J'adore. Là, idéalement, genre, je vais mettre plein de roses crémières séchées. Je vais tout à fait pas coucher. De quoi? C'est des roses crémières, genre, en gros, tu peux les sécher. Voilà, elle est en train d'avoir un peu trop de taille, celle-là. Mais genre, on a des grosses et ça va être genre un élément de déco, genre. Ok, ouais, très sympa. Je trouve aussi là pour ranger, j'ai encore rangé. Putain, c'est trop bien. La vaisselle, ouais. Ouais, tu vois. Ok, ça me plaît. Ouais. Mais c'est frais, hein. J'aime bien la cuisine. Mais des trucs, c'est pas ouf, mais. Non, mais l'autre, c'est toi qui as fait ça. Du riz, ouais. Du coup, t'as fait 5 kilos comme ça. Pour faire du riz, on est dans Koh-Lanta. Tu regardes Koh-Lanta? J'adore. Et non, tu regardes? Ouais, t'as regardé hier? Ouais, mon préféré c'est Amri. Je le hais. Ah ouais? Je le déteste, c'est le seul un peu. Mais il se prend pour qui? Franchement, il se prend pour qui? Moi, je l'adore. Alors, j'aime pas. Moi, j'aime bien. J'adorais William, mais ils l'ont viré. Pourquoi ils l'ont viré? Il fait trop le connaisseur. Mais ta gueule, mais c'est un connaisseur. Mais toi, t'as un bolos. Toi, t'aurais pris la pizza au lieu de prendre le péché. Toi, tu vois petit. J'adore tes cheveux. Ah bon? Ta gueule. Non, pour de vrai, je te connais, tu t'adores faire des brushings et tout là. Ils sont hyper bonne qualité. T'as des belles boucles. Je suis allée chez Follow, ils m'ont dit t'as des dreadlocks, tu te fais électrocuter. Bah, ils sont problématiques. Ah ouais? Non, t'as des belles boucles et tout. On dirait que tu les as travaillées, les ondulations. Ah bon? Bah, je te connais, normalement, tu te fais des gros brushings. Bah, mon blanc placard à balai, ok. Le placard d'Harry Potter. C'est cool la technologie là. Le placard d'Harry Potter. Ok, c'est beau vert. Mais c'est très toi en fait cet appart. Mais t'as vu, tout le monde me dit ça. C'est très toi. Regarde à gauche, petit rangement des chaussures. Oh my god. Là, t'as vu, je me vénère. Bah, nous abonner, donc là, on peut voir. Ça fait la 1000e visite que je reprends en vidéo. Ok, ça me plaît. Ensuite. Donc, calcule pas trop là, c'est un peu. Attends, mais t'es conquête. Pas encore. Ça sent bon. Ça non plus, c'est pas encore rangé. J'adore même le sol. Ouais, ça, c'est en fait, on dirait une petite maison de forêt. Tu vois ou pas? Ouais, dans plein Paris. Ouais. Voilà, mon citronnier est en train de mourir, meuf. Il est en train de mourir, il a manqué trop de lumière, donc là je l'ai mise là. Ah oui, merde. Mais là il repart là. Mais lui, il a rien. Tu crois que c'est un influenceur? Putain, c'est beau, ça me plaît. Ouais, tu t'éclates. Là, on va changer papier peint. Ouais, tu vas mettre quoi? Toujours un mood d'hôtel, genre. Ouais. On va changer aussi ça là, les petits trucs. Les petites, ouais, les appliques, c'est pas tout. Hein. Et mon piano, je l'adore. J'adore. Mais je le trouve moche, du coup j'ai envie de le changer. Un centimètre de trop, un peu frustrant. Tu vois, mais il est bien. Je reçois mon meuble télé aussi cette semaine, j'ai trop hâte. Ok. Et ça, la DA, je voulais pas de télé dans ma chambre. Ah ouais? Ouais, parce que je voulais pas faire à part d'influenceur, toi, ta gueule. Genre non, dimanche, tu te regardes une bonne petite. Bah oui. Toi, tu sais dans ça, ta télé chez toi? Bah oui. Tous les soirs, tu te mets un petit dessin animé pour t'endormir. Voilà. Ok, c'est excellent. J'adore. Voili voilou, et bien petite salle de bain. Bon, c'est bordel. C'est ce que je pensais. Ah, parce que tu pensais que c'était nul? Non, je pensais que c'était bien, mais là c'est vraiment chambé. Trop bien. Voilà, mais. La salle de bain avec ton lit. Y'a pas de bruit, y'a pas de bruit. Genre, je me sens chez moi. Juste en bas, y'a pas encore de truc cocooning. C'est quoi, c'est une wig blonde? Ouais, c'est une wig blonde. Cheveux de Danaï. Danaï. Je lui ai arraché sa wig depuis qu'elle m'a abandonné à Los Angeles. Oh là là. J'étais blonde avant moi. Tu te rappelles quand je suis retombée sur une vidéo de toi et Danaï? J'ai une petite pétasse, hein. Tellement cool. Comment je fais ça pour mettre dans un vase? Un vase? Bah je crois pas. Ah merde. Ah si, j'avais une carafe. Ah voilà ça. Donc j'ai un saut dans un Animal Crossing et j'irai ma petite ferme. Attends, voilà. T'es trop mignonne. T'as fait ça pour faire pardonner. Parce que comme je vlog tous les jours, je te jure, je t'appelle Maya, mais me calcule pas. Je t'appelle en fait, je calcule pas. Il m'a appelé deux fois, je l'ai rappelé. Il m'a pas répondu, donc j'ai pas rappelé. Donc j'attendais qu'il me rappelle quand il était dispo. Monsieur. Surtout qu'on est voisins maintenant. On est voisins. On est voisins, ouais, ça va, on est pas loin. Où est-ce que ça se met ça là? Bon. Voilà. Ouais, histoire de. Ça va tellement bien avec Togo. Le bouquet, le tapis, le Togo. Un bouc émissaire. Ouais. Et j'ai trop hâte aussi de travailler le mood lumière. Ouais. C'est-à-dire des lampes et un peu partout, j'ai pas de lampe là, j'ai ce vieux truc. Moi je te conseille, après tu fais ce que tu veux. Pour la lampe ici, tu mets une lumière blanche. Genre un truc énorme, blanc. C'est ça parce qu'on crée du contenu nous aussi donc. Sauf que le soir tu vas mettre tes lumières jaunes, donc celle-là tu peux mettre jaune là-bas. Ici tu peux mettre jaune. En fait c'est juste les ampoules, après les lampes t'achètes ce que tu veux. Et pour les étagères, achète des lampes sans fil. Attends mais Maya on a trop grandi là, on parle trop déco, ouais, trop adulte, hein. On a grave grandi. J'ai hâte de te demander la rêve de ton frigo, genre c'est honteux. On se rend pour qui? Moi, bisous ma chérie. Allez, bisous. T'as allumé ma lumière? À ce soir, je vais acheter du lait. Pourquoi? On vient ensemble? C'est le sapin de Noël. C'est mon escabeau. Ça va être beau quand on aura un sapin de Noël. Ouais, je ferai un petit dîner Christmas. Ouais. Allez, qui? J'espère que ce vlog vous aura plu, guys. C'était une petite avancée de la déco, etc. Ça fait bizarre d'en prendre YouTube. Genre là, j'ai l'impression d'être un peu un novice dans le game, de réapprendre à vlogger, etc. J'espère que mes vlogs vous plaisent et j'ai trop hâte de la suite. On vous a préparé plein de petites surprises avec Maya là quand je vais filmer. Mais restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte le room tour. Vous aussi vous avez hâte j'espère.